je vais présenter Django James dans le quintet ce dimanche, qui est le grand handicap de la Manche sur 3200 mètres. Django James, c'est un cheval qui reste sur une victoire à réclamer sur la distance de 3000 mètres, à Deauville également, qui a bien fait dans son réclamé. Maintenant, effectivement, le fait d'être dans la première épreuve du quintet en bas de tableau nous amène à affronter un lot de factures un peu plus relevées, nettement plus relevées même par rapport au lot de sa dernière course. Le cheval me paraît bien. L'assouplissement du terrain qui est annoncé, puisqu'on annonce quelques pluies, ne devrait pas le déranger, bien au contraire. L'allongement de la distance de 100 mètres, ça, il n'y a pas de souci pour lui. Tout sera question de savoir où le situer en valeur handicap, notamment dans un lot relevé comme nous pouvons nous y attendre pour dimanche. C'est le même jockey qui va le monter, c'est Thomas Huet, donc qui revient d'Australie, qui l'a monté la dernière fois et qui a gagné, qui s'est imposé avec lors de sa première course en revenant d'Australie. Thomas Huet qui va faire l'effort de monter à 53,5, ce qui est un petit peu inhabituel pour lui. Et donc il le connaît, je ne vais pas spécialement lui donner d'ordre, c'est un vieux cheval, donc comme tous les vieux chevaux, il faut leur donner le meilleur parcours possible, ne pas les écœurer, essayer de filer les autres et trouver l'ouverture au bon moment, ce qu'il a réussi à faire la dernière fois.